Ndekonanga ba Congolais, chers frères et sœurs, chers amis congolais, Nako Luka Koloba Likambo na Lingala et puis na français, je vais mettre ça ensemble pour que nous puissions arriver à nous comprendre. Na Lingala Lobela Likambo Oyo Etali, lettre Oyo Balobi, lettre à Monsieur Étienne Tshisekedi Atikalaki Kokoma, Oyo Batuya IDPS Balobi que Ezali, lettre ya Aner Moto Akomiango. Nazali awa na uti kotala lettre yango oyo aner. Je parle de la contexte que c'est l'aner qui a écrit cette lettre. Alors, la question qu'il faut savoir, il y a ce que l'on appelle exégèse. Les exégètes prennent le temps de lire une lettre pour pouvoir se mettre dans la pensée de celui qui a écrit la lettre. Telle que ma lettre, il y a Paul, Nakati, il y a Bible, des histoires comme ça. C'est ça le travail qu'un exégète va faire. Nous le faisons en communication. Quand il y a un message, ce n'est pas, nous ne le voyons pas de la même façon comme le commun du mortel. Nous analysons le message et nous regardons non seulement l'authenticité du message, mais aussi le contenu du message. Alors, chaque message, Oyo et Komami, c'est un message qui est codé. Si c'est l'ANER qui a écrit cette lettre, et ici nous partons dans l'hypothèse que c'est Caleb Mouton qui a donné l'ordre d'écrire la lettre, ou bien lui qui était derrière la lettre. Alors, permettez-moi d'utiliser ici que c'est l'ANER qui a écrit, et voilà ce que l'ANER est en train de faire. Qu'est-ce que l'ANER est en train de nous faire connaître dans cette lettre? La première chose ici, pour un exégète, nous devons savoir que le premier point que l'ANER est en train de nous faire connaître, c'est de montrer à l'opinion, tant nationale qu'internationale, que M. Félix Tshisekedi ou encore l'équipe de l'UDPS, ici nous devons dissocier l'UDPS du Rassemblement. Selon Kalev, l'UDPS avait des négociations, des rencontres informelles à travers les représentants de M. Étienne Tshisekedi pour commencer à négocier quelque chose. Et ici, M. Kalev est en train de clairement dire, directement au premier paragraphe, il parle de ça, il veut montrer au peuple congolais quelque chose que nous avons toujours dit, c'est-à-dire qu'il y a eu des rencontres informelles auxquelles M. Félix Tshisekedi ne va pas nier. Et selon ces rencontres informelles, ils avaient négocié pour qu'il n'y ait pas élection en 2016. Monsieur Kalev est en train de faire ce qu'on appelle en anglais les blackmail, c'est-à-dire, pour boyer ma blackmail et l'incolbanini, ce qui au sali et l'okoemabe, moutou a découvrir au sali et l'okoemabe, yo bon pardon, ko yibsa moutou mokote, moutou an a le mieux que d'accord, bokei boke ko sala moussala quelque part ensemble. Yo olingi kolongola moto wana akoloba na yo soki omeki kolongolanga nazobimisa sango wana donc okomi kobanga okomona otiki moto wana mukolo nyonso na kati ya vie na yo soki olingi osala ekambo tu te rappelles de ekambo olobaki boye soki na omeki na kobimisa yango oza kobanga na anglais babengi yango blackmail donc bazali ko blackmail yo mpona likambo oyo osalaki ozali coupable mpona yango awa tozali komona monsieur Kalev azali ko blackmail Batu ya IDPS pona koyebisa bango ke bino na biso tozali ensemble na likambo oyo parce que nous avions négocié ensemble pour qu'il n'y ait pas élection en 2016. Donc les efforts qui étaient déployés dans le cadre de nos contacts informels via nos représentants respectifs, c'est ce qu'il écrit dans la lettre. Alors maintenant la question est de savoir comme la lettre n'a pas été écrite par M. Étienne Tshisekedi, l'UDPS est-elle prête de réfuter cet argument de Kalev, Ndenga Komi na kati na mukanda na paragraphe Liboso ke Bango Bazalaki Kokutana? Ça, c'est le premier point qui ressort ici. Le deuxième point qui ressort dans la lettre Oyo, qu'est-ce que Kalev est en train de vouloir faire connaître au peuple congolais? Il est en train de faire connaître au peuple congolais le rôle de la CENCO. Alobi on a paragraphe Liboso. Alobi boye que nous avons commencé des rencontres, des contacts informels. To banda ki na biso ko sola, to sali boule oyo to yokani biso na bino.
Mais maintenant, nous voulons aussi rappeler aux gens que Senko wana toyoko tia bango kaka po ba kokisa makambo oyo biso na bino toyoka naki. Donc en d'autres termes, il est en train de faire rappeler au peuple congolais que ce qui bino bokanisi que Senko wana azali kaka po na biso batu ya majorité présidentielle bozali komikosa. Biso na IDPS nde toyoka naki. Et je pense ici vous vous rappellerez de ce que Madame Bazaïba avait dit une fois, tant au Bakendaka, Bakutani, première rencontre, Nanani et Senko, Bakomio Kuna, Senko, Azulo, Bakoute, Bino, Bamsuboyewana, Boyeka, Kabo, Vanda, Kakapo, Makambo, Bapoalur, Basibayokani. Basibayokani, donc il y a un arrangement particulier, Ezali, le Kambo, il y a dialogue, te Awana, Senko, Awa, Ezali, Kaka, Bapoalur, Basibayokanaki, donc Tozota, Landengeni, Togotia, Bango, Moka, Tikal, la présidence, Moussa, Koma, premier ministre, Bongo, moko na bango pe baza la motu ya kati ya ya à la tête du rassemblement. Donc Kalev était très sage en n'est pas ko kamatake atia rassemblement na kati ya lettre oyo na ndenge ke a accusé rassemblement mais aza ko accusé directement l'UDPS pour dire que toyokana kinabino mais poto ko sake to saliso kindenge nini yango na to utiliser Senko pour Senko a kokisa makamu na biso wana. Et ça, c'est un travail. Pour arriver à comprendre cela, tu dois faire une analyse. Ngai, en tant que professeur ya communication, to salaka eloko to bengi na anglais content analysis, l'analyse du contenu, ou bien l'exégèse. Na kati exégèse wana, oyako comprendre que lorsque un message est donné, ce message est toujours codé. Ezali na ba code. Vous devez arriver à décoder pour savoir quelle est la pensée de l'auteur. Et pour déchiffrer cela, nous devons utiliser certains filtres. Le filtre wana ezali ba filtre tel que culture, tel que non penchant, c'est-à-dire que tu es biaisé. Ce qui ozali motumoko par exemple, ozali pour bato bazali ko attaquer interprétation et ozali ndenge mosusu. Et c'est une interprétation qui se fait sur base de l'expérience et sur base de l'éducation. Donc, sur base de l'expérience et de l'éducation, je trouve des choses que beaucoup de gens ne trouvent pas, ne comprennent pas dans cette lettre. Alors, ici, il y a la mission de la Senko qui est mise là-bas, dans la lettre. Ce point ici pourra être disputé, naboïté. Mais j'aimerais quand même souligner ce que Kalev est en train de dire ici. En ligne, quand on a dit ce point, le président Tshisekedi était tellement malade et que c'est seulement ba proche naye batu bazala ki ko forcé pour asala musala oyo ko kende alonga ki Bruxelles akena na Congo. Lisez la lettre et vous allez voir. Dans son esprit, il est en train de faire dire aux gens que mutu oyo papa Etienne Tshisekedi, le président Tshisekedi azala ki malade et que makambo azala ki ko sala ezala ki batu mususu batu bazala ki kosala yango pour na ba intérêt na bango personnel alors que azala ki na posa akende po asala ba soins médicaux na ye esala ki a wumeli mingi olie ke azala esika etlinga esengela ki azala wana ezali point oyo Kalev abimisi ici nous parlons toujours que nous croyons que bango batu baza na sima lettre oyo et il y a un autre point ici que nous trouvons ezali point financier Kalev azali ko soulever point moko awa alin kolobake boye bake tango bozalaka na posa ya mbongo boyaka epai na biso. Quand vous lisez ce message, vous découvrez que il est en train de parler d'une certaine façon de faire. Que tango bozalaka na posa ya mbongo bozali koya tango bozana besoin ya aide topesaka bino aide. Bien que tozali na ba divergence na biso politique, mais tango bozalaka na posa tosalisaka bino. Le dernier point que j'ai trouvé ici qui est très intéressant, c'est que Kalev Azako Laksa de Kambouya a primature. Alobi boye que Félix Tshisekedi Azali qualifié était. Pour alobi que premier ministre, le premier moto ya cause la premier ministre, il faut azalana expertise et expérience. Donc en d'autres termes, bazali kolobenabino clairement que Félix Tshisekedi n'a ni l'expertise ni l'expérience. Donc voilà un peu bandeko nangai tango bozako tanga lettre oyo ne regardez pas seulement qui a écrit qui n'a pas écrit
Mais comprenez quelle est la pensée de l'auteur, quelle est la pensée du communicateur. C'est un message codé. Atiba code, il faut battre au baïbi code, code, en gros, bas décoder message. Ndenaouti code, code message, ou anaponabino, pour beau comprendre. Maintenant, il revient à l'UDPS et à Félix Tshisekedi de nous dire s'ils sont en train de contredire Kalev, que Bango, Basalaki, ba négociation, ba contact informel, te, allo Banabiso. Ce n'est pas suffisant de dire que la lettre n'est pas authentique. Alors, dites-nous, selon la pensée de l'auteur, est-ce que vous aviez eu des contacts et des négociations, oui ou non? Est-ce que, selon la pensée de l'auteur, la SENCO est en train d'être utilisée pour un arrangement particulier pour arriver à accomplir ce que vous aviez déjà décidé, oui ou non? Donc, est-ce que, selon la pensée de l'auteur, oui ou non? Ici, ce n'est pas question du rassemblement. C'est question de l'UDPS, c'est question des proches de Monsieur Le Feu, Monsieur Étienne Tshisekedi, le président Tshisekedi. Et puis, il y a point à Souka, Oyo Kalev a lobby que Premier ministre, il faut avoir une expérience, une expertise. C'est à Félix de nous montrer, dans la CV, Nanga Yangoyo, Nazali Moutouyo, Nazali, une expertise, une expérience, pour nous commémorer. Donc, Bandeko, voilà, ça, ce sont les quelques points qui sont sortis de cette lettre. C'est à vous de pouvoir juger. Moi, je ne suis que l'interprète parce que j'ai décodé le message. Oyo, Mutuana, Akomaki Mukanda, Oyo, Alingaki, Binoboko, Oyo, Kango. Merci.